Je suis le docteur Robert Larsonneur et je suis le dirigeant de France PNL et de France Hypnose Formation et j'enseigne la PNL et l'hypnose dans ces deux centres de formation. Vous pouvez nous retrouver sur nos sites internet france-pnl.com-6 ou france-hypnose-formation.com avec un tiret, le tiret du 6 entre chaque mot. J'enseigne dans ces deux centres de formation que j'ai créés. Et j'enseigne bien d'autres choses puisque j'enseigne également le coaching, j'enseigne les neurosciences, la psychopathologie, l'analyse transactionnelle. J'enseigne également la gestion du stress et nous formons même des formateurs en gestion du stress. Et je voulais vous parler là d'une notion qui est centrale dans bien des techniques, qui est l'intention positive. Voilà. L'intention positive, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de présupposer que la personne avec laquelle vous êtes en rapport, par exemple, a une bonne intention lorsqu'elle fait quelque chose. Alors, cette bonne intention est parfois dirigée vers elle, j'en suis bien d'accord. Néanmoins, cette bonne intention va permettre de réfléchir. Si, par exemple, je veux demander une augmentation de salaire à mon employeur, et que je pense qu'il a une mauvaise intention vis-à-vis de moi, ben, je ne peux pas travailler en fait, hein, parce que à partir du moment où vous pensez ça, ça n'est plus productif. Pour que ce soit productif, il faut penser qu'il a une bonne intention. Alors, parfois ça demande, je reconnais, une petite gymnastique, mais vous allez voir, c'est une gymnastique qui rapporte en quelque sorte, hein. L'intention positive, ça va nous permettre d'explorer la carte du monde de l'autre en quelque sorte et d'imaginer, par exemple, s'il nous refuse quelque chose, pourquoi il nous le refuse et de façon positive. Voilà. Alors évidemment, ce n'est pas pour dire « ah bon, bah, du coup, je ne demande pas ». Si, c'est pour demander, mais c'est pour demander en tenant compte de l'intention positive. Alors, soyez rassurés, soyez tranquilles sur mon état mental. Je sais bien que tout le monde n'a pas de bonnes intentions vis-à-vis des autres, etc. C'est juste parce que c'est beaucoup plus productif de penser à l'intention positive, en fait, que de penser que la personne a une mauvaise intention à votre égard. Voilà, je voulais vous expliquer en quelques mots ce qu'était l'intention positive. Ça n'est ni un cours, évidemment, c'est beaucoup trop court, il n'y a pas d'exercice simplement dessus, c'est juste pour que ce soit plus clair pour vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, ce que j'espère, eh bien vous me feriez plaisir en likant, et puis si vous souhaitez être informé sur toutes les vidéos à venir, eh bien je vous invite tout simplement à vous abonner, puis si vous vous abonnez, eh bien, je vous dis soyez les bienvenus et bienvenue au club en quelque sorte.